Bonjour à tous, on se retrouve ce 7 juin pour la présentation de la Tribune des travailleurs. Alors voici la une, elle est consacrée à ce qui convient d'appeler la crise du logement et nous posons la question, qui organise l'asphyxie du logement social? Et nous affirmons, c'est le gouvernement, nous le démontrons dans les pages d'ouverture de ce numéro, dans lesquelles nous revenons notamment sur le fait que la Première ministre Borne a annoncé le 5 juin un plan logement. Alors c'est un plan qui... sans surprise, tourne le dos aux besoins des millions de personnes mal logées, des familles qui sont bien souvent en attente d'un logement social. Nous donnons une série de chiffres. Mais avant cela, nous expliquons quel est le contenu de ces annonces de Borne. Les bailleurs sociaux, c'est-à-dire principalement les offices HLM, avaient deux exigences. Parmi ces exigences, la suppression de la baisse des APL et le retour à un taux de TVA de 5,5% sur toute la production de logement social. Le gouvernement a répondu qu'il en était hors de question. D'une certaine manière, elle a dit à ces organismes, allez voir les banques, il n'y aura de toute façon aucune aide de l'État pour construire plus de HLM. Et en réalité, les seules mesures qui ont été annoncées par le gouvernement sont des mesures qui prétendent favoriser ce qu'ils appellent l'accès à la propriété. Alors, il y a toute une série de dispositifs sur lesquels notre journal revient, mais aussi des mesures qui vont en faveur des promoteurs immobiliers. Pourtant, la crise du logement, elle est là. Elle frappe d'abord et avant tout les familles populaires, les travailleurs. Nous donnons une série de chiffres, hein, par exemple le fait qu'il y a en France 4,1 millions de personnes mal logées, alors 1 million qui n'ont pas de logement du tout, 1 million qui vivent dans un logement, comment dire, gravement surpeuplé, et puis plus de 2 millions qui occupent un logement qui devrait faire l'objet d'une rénovation lourde. En 2002, il y avait près de 2 millions et demi de ménages qui étaient en attente d'un logement social. Et on en est arrivé là parce que, disons-le, l'État étrangle financièrement les bailleurs sociaux et c'est ce qui est à l'origine de cette crise du logement. Un chiffre, hein, depuis 2018, ces organismes ont perdu 75% de leur capacité d'investissement. Concrètement, ça signifie que ces organismes sont contraints de beaucoup moins construire et les chiffres en attestent, hein, il y a eu près de 55 000 logements construits en moins en 2018. Quant aux opérations de réhabilitation, eh bien, elles connaissent un coup d'arrêt et puis elles sont souvent renvoyées à plus tard, voire à jamais. Du côté du parc privé, eh bien, l'offre ne cesse de se réduire. D'abord parce que il y a beaucoup d'interdictions de louer des passoires énergétiques et aussi et surtout parce qu'il y a une augmentation constante des loyers. Alors, il resterait l'accession à la propriété pour ceux qui le peuvent, mais l'envolée des taux d'intérêt pratiqués par les banques interdit aux ménages modestes de pouvoir contracter un prêt pour acheter un logement. Alors le gouvernement fait mine de s'alarmer de la crise du logement, mais en réalité c'est lui le fossoyeur du logement social. Et comme nous le disons dans ces pages, un gouvernement qui serait vraiment soucieux des intérêts de la population commencerait par donner les moyens de construire des logements à hauteur des besoins et aussi de réhabiliter tous ceux qui doivent l'être, bloqueraient le loyer, les charges, etc. Le deuxième sujet sur lequel nous revenons dans ce numéro, c'est un nouveau cran qui est franchi dans la guerre à l'est de l'Europe. Depuis le 30 mai, l'armée ukrainienne, qui est équipée par l'OTAN, bombarde le sol russe. À quoi répondent de nouveaux bombardements meurtriers russes en Ukraine? C'est un nouveau cran qui est franchi dans la guerre qui dure maintenant depuis plus de 15 mois. Or, l'intérêt des travailleurs et des peuples exige un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Les bombardements ont lieu sur les villes frontalières à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, dans les villes de Chebekino, pardon, Belgorod. Il y a eu également des attaques de drones dans les régions de Moscou, Krasnodar, Koursk, etc. Est-ce que ces attaques signifient qu'il s'agit du début de la contre-offensive ukrainienne? Difficile à dire.
Ce qui est certain, c'est qu'en haut de l'administration américaine, le secrétaire d'État américain Blinken a déclaré le 2 juin, c'est-à-dire quelques jours, quelques heures après comment dire, ce nouveau cran, qu'il rejetait toute idée de cessez-le-feu. Hein. Macron, d'ailleurs, qui était à un sommet des chefs d'État de 46 pays d'Europe le 2 juin, a réaffirmé qu'il refusait également toute perspective de cesser le feu. Et on peut comprendre que du point de vue des intérêts des capitalistes et des vendeurs d'armes, le cessez-le-feu ne soit pas parmi leurs priorités parce qu'elles leur empêchent de d'écouler leur carnet de commandes et de faire les profits gigantesques qu'elles accumulent depuis le début de cette guerre. En Russie, des militants qui sont opposés à cette guerre écrivent, et nous publions quelques extraits d'un appel qu'ils ont lancé. Des dizaines de millions de Russes veulent que tout cela s'arrête, et des millions de travailleurs, de jeunes en Ukraine également, ils affirment que le gouvernement russe arrête ses bombardements et retire ses troupes du territoire de l'Ukraine, que le gouvernement ukrainien arrête ses bombardements et ses incursions en territoire russe, que les populations des territoires que la Russie avait annexés se voient garantir tous leurs droits personnels, linguistiques et culturels, ainsi que la possibilité de décider librement de leur sort. Il n'y a effectivement, ils ont bien raison, pas d'autre voie qu'un cessez-le-feu immédiat, et c'est contre cela que combattent les puissances impérialistes. C'est d'ailleurs le combat international contre la guerre qui a résonné dans ce meeting organisé par le Parti ouvrier indépendant démocratique dimanche dernier. Il faisait suite au congrès du POID qui s'est tenu le samedi et le dimanche. Dans ce meeting, 1 800 personnes ont participé à cette initiative. Il est d'ailleurs ce meeting intégralement publié sur le site de la Tribune des Travailleurs, hein, la vidéo intégrale est publiée. Dans ce meeting, il y a eu un grand nombre d'interventions, notamment de militants d'autres pays que la France, des militants de Russie, de coalition de socialistes contre la guerre, dont nous publions des extraits, de militants d'Allemagne, une militante d'Afghanistan contre la guerre, de militants de Grande-Bretagne, des messages qui venaient de Roumanie, également le secrétaire national du mouvement pour la paix qui a pris la parole, les secrétaires nationaux du POID ont pris la parole, des militants de la Fédération des jeunes révolutionnaires qui ont indiqué comment ils organisaient à la fin de l'été prochain une rencontre internationale de jeunes révolutionnaires, mais aussi des militants, des travailleurs engagés dans ces derniers mois de lutte de classe pour le retrait de la réforme des retraites et qui sont revenus sur ce combat contre ce gouvernement qui fait la guerre à l'extérieur et qui fait la guerre contre les droits ouvriers et la démocratie à l'intérieur. On notera d'ailleurs dans ce journal la publication d'extraits d'une lettre que le POID a décidé d'adresser aux autres organisations qui se réclament des travailleurs, de la paix et de la justice sociale, lettre qui leur est adressée pour proposer de participer à une initiative commune dans l'unité, sans aucune autre condition qu'un seul mot d'ordre, celui de cesser le feu immédiat et inconditionnel à l'est de l'Europe. On lira également dans ce numéro différents reportages dans la lutte de classe, qu'il s'agisse de la victoire des salariés de Vert-Baudet, mais également de la grève inédite et historique à Disneyland, mais aussi de la journée de mobilisation qui était appelée le 6 juin par l'intersyndicale. Une mobilisation qui marque la volonté des travailleurs de ne pas renoncer à la revendication de retrait de cette contre-réforme. La presse a beaucoup parlé en tout cas, aurait aimé que cette journée soit un baroud d'honneur, c'est-à-dire un ultime combat d'une cause perdue. Alors bien sûr, il y avait moins de manifestants que les fois précédentes, ce qui n'est pas étonnant, d'abord parce que les décrets d'application de la contre-réforme ont commencé à apparaître, mais également parce que 14 journées d'action, 14 journées de grève commencent à peser sur les budgets des travailleurs, mais aussi et surtout s'ajoute le refus persistant des dirigeants de l'intersyndicale d'appeler à la grève générale. Et pourtant, malgré cela, il y avait des centaines de milliers de travailleurs et de jeunes qui ont manifesté, qui étaient dans la rue, non pas pour l'honneur,
non pas dans la lutte pour la lutte par principe, mais parce qu'ils refusent que cette contre-réforme passe. On a entendu des dirigeants syndicaux, à l'image de Laurent Berger, le chef de la CFDT, déclarer, je cite, le match est en train de se terminer. No comment. Mais pour les travailleurs qui manifestaient, ils n'ont pas l'intention de renoncer à ce combat. D'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, l'exigence de la grève générale dans l'unité ressurgira, mise à l'ordre du jour par la lutte de la classe ouvrière. Cette permanence du combat pour leurs revendications, aujourd'hui sur les salaires, sur la question des retraites et sur nombre d'autres questions, les travailleurs confirment qu'ils ne renoncent pas à ce combat. Pour ce qui concerne la tribune des travailleurs non plus, nous ne renonçons pas à livrer chaque semaine des informations et des éléments sur le combat ouvrier contre ce gouvernement et pour dire dehors Macron, à bas la guerre.